En fait, la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux, en règle générale, ils sont quasi jamais exonérés. Tous les mécanismes d'exonération, à chaque fois, on exonère l'impôt sur le revenu, mais jamais les C'est prélèvements vrai. sociaux. Le PEA, c'est le cas du PEA. Les prélèvements sociaux à 17.2 s'appliquent toujours. Donc des cas d'exonération de prélèvements sociaux, là comme ça, je n'en vois pas.